Sinon, le week-end, c'est parti. On n'aura que 33 projets. J'avoue, c'est bon. Ouais, on est bien sûr, on est 35. À 35. Plus jamais seul pour faire vos courses. Bah, et donc du coup quand on veut dire un graphisme, bah voilà, tu vas peut-être faire un peu de montage vidéo. La personne qu'il a toujours rêvé de rencontrer. Vous pouvez le faire. À partir d'aujourd'hui, ça sera possible. Ne le laissez pas tout seul. Hein. Non, c'est quand même votre plaît. Prof d'Android. Il a fait le bootcamp. C'est bien ça. Eh. Alors pourquoi je suis engagé au Startup Weekend? En fait, l'idée c'est d'abord de vouloir créer une entreprise. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et c'est vrai que le Startup Weekend c'est aussi une occasion de pouvoir concrétiser un peu ça. C'est covoite de boîte. Covoite de boîte. Ensuite, groupe et web commerçant. Ouais. Et pour moi ça me fait penser à Heroku, alors les différents. Et ceux qui n'ont pas d'équipe, ceux qui sont tout seuls, ceux qui pleurent, vous venez ici. Romain Galec, je suis développeur web. Je suis créatif. Bonsoir, donc communication marketing, master. C'est pour le ciel, pour enfants, voilà, j'ai une formation de project manager et nécessite justement un web marketing. C'est absolument nécessaire parce que là, c'est un projet qui va prendre vie. C'est la suivante, Adam. Ah oui. Le questionnaire. Ouais. En fait, tu as rendu dessus. Ouais, ce serait bien que tout le monde se présente, ce serait cool. Oui. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté de bosser. Enfin, bosser ma carrière, quoi. Je me suis mis en fait à m'occuper de mes enfants. Et c'était quoi ta carrière? Alors, au départ, je suis ingénieur en génie civil. D'accord. J'ai construit une route en Afrique. J'ai construit un métro en Chine en 3 ans et demi, à Shenzhen. Et puis voilà, et puis après, j'ai rencontré ma femme est américaine, et on a décidé de partir ensemble et vivre au même endroit. Et on avait des postes ouverts au Mexique. On va attaquer le brainstorm ce soir. Je pense que c'est tout ce qu'on fait. Non, c'est vers 4h du matin. MVP, brainstorm. Un brain dump, double millénaire. C'est l'heure? C'est l'heure? Bah, je sais pas. Est-ce que c'est un business model? Tu me l'as dit. Bah, ok, on y va. Attention, on a un pied un peu. Attends. Donc là, on est en train de préparer un canapé. C'est de permettre aux participants des conférences de prendre la parole en direct, en toute simplicité. Et sans micro. Non, mais peut-être de voir ça avec Freebox. Ce que j'ai pas saisi, c'est concrètement comment ça va répondre à mon problème. Je suis. En se connectant via un QR code, pourquoi pas. Et donc l'application. Bon, ok.
Okay. Donc j'ai l'application sur mon smartphone. Ouais. Tu as un bouton demander la parole. Sur son smartphone. Ouais, ou sur son écran. Sur ce qu'il veut. Je sais que Monsieur Michu veut parler. Il dit ok, il clique Monsieur Michu parle, il autorise. Et la personne peut alors parler dans son téléphone. Ce sera retransmis sur les enceintes et tout le monde pourra l'entendre. Donc on a essayé de planifier le business plan. On n'a pas encore terminé. Donc là, on est en train de reprendre plus ou moins à zéro en prenant des idées quand même qui étaient plutôt parties sur une bonne base. Donc après on va définir les tâches et puis on va se lancer sur quelque chose. À manger. Bon appétit. Vous ouvrez la bouche pour moi. Est-ce que tu aimerais avoir la possibilité de consulter le menu d'un restaurant avant d'y aller ? Consulter le menu, ouais. Est-ce que vous avez déjà attendu chez un restaurateur lors de votre pause déjeuner ? Oui. Et est-ce que suite à cette consultation, bah, tu serais prêt à payer pour réserver quoi ? Ouais. Non, c'est ça. Bon, les petits vont dire rien. Elle le mérite. Regardez pas les questions. On a fait la question, c'est un coup de molette. Soirée, café, Red Bull. Yeah, vous avez pas réussi. Il y avait des cafés ou des Red Bull ici? Non. Eh ben, on va être sur le pitch. Pitch training. Vous bossez sur le pitch, non, on bosse sur le... la page. La page, faisons. Et vous faites quand le PowerPoint? Vous faites le PowerPoint. Vous faites le PowerPoint. Oh là là. Ouais, on fait pas. De la fatigue, pas tellement, mais je sais pas comment dire, l'épuisement, marre de bosser là. Oui, ça oui. Ça nuit, on dort pas. Bah, surtout vu qu'on est en retard. Ouais. Noéla, c'est... Non, Noéla, 25 ans. Elle a été. Ouais, on prend l'exemple salons, quoi. Elle a des salons. Ouais, on va regarder les exemples. Mais elle savait pas trop quoi faire, donc on l'a un peu orientée. Et puis il y a quelqu'un de la classe, il y a quelqu'un d'une école qui est venu dans sa classe et puis elle s'est dit bon je vais faire ça et tout. Et depuis ben, elle est en école de commerce mais elle se rend compte que ça lui plaît pas, c'est pas ce qu'elle aime. Tonton commerce. Et après on fait une association avec Tata Boutique et ça devient ensuite Coco Commerce. Oui, il est 1h du mat. Et ça peut se comprendre. 1h25 exactement. Et j'ai dit que je terminerai l'interface et qu'après j'irai me coucher. Et j'ai pas terminé l'interface. Et il y a un marqué not found sur ton En gros, on a désigné le pitcher et puis on va tous se reposer un peu pour avoir les idées claires pour demain et définir. On se repose sur le pitcher et puis c'est tant pis pour lui. Comme ça, la nuit porte conseil et puis on verra si les idées viennent. Bon, on n'a pas beaucoup de temps mais elles vont venir. Non, c'est pas frère, il faut faire la vie. Bah si. Non, c'est après, toi tu seras dans le dur. Voilà, c'est vraiment collé alors. Il n'y a pas qu'un seul souci d'aller plus vite à sa pause déjeuner, c'est de l'aider lui, de l'aider le restaurateur. À faire mieux. 3h25. Bon, ça va. Ouais. On va dormir 2h, 3h. Allez, 3h30. On va être gourmand cette nuit. Bah, c'est cool. On a une longue journée. C'est bien avancé là. Un petit pivot de dernière minute, redéfinition de la stratégie. Rebondissement, rebondissement, re-rebondissement. C'est ça, il faut savoir vivre. Du coup, on le laisse se reposer avec son pitch. Non, il faut finaliser la présentation. Déjà, une fois que ça, c'est fait. Ensuite, j'aurai un peu de temps pour caler le discours. Voilà. On sait qu'on est le projet 11. Ça, c'est une info qu'on a déjà. On sait qu'on s'appelle les créas. Ça, et c'est puis, certain. Puis maintenant, on est au taquet, quoi. C'est qu'on va nous battre, du coup.
Non, non, ça, c'est bien. On a eu 1300 j'aime là depuis vendredi sur Facebook. Et du coup, on a fait. On allait faire du covoiturage. On a mis le site en ligne, enfin, un petit site en ligne. Et du coup, on a eu 15 demandes de 22h à. Les 15 étaient sur 22h à 1h du matin. Ah. Donc, notre porteur de projet, Vincent, qui était donc allé rendre le projet. Donc, c'est bon? Tout est bon, tout fonctionne. Voilà, donc 54 heures d'intense travail que je vais essayer de porter au mieux devant le jury. Le premier aura donc 3 journées de coworking offertes pour Microsoft, pour le campus Microsoft à Paris. Et le porteur de projet, en tout cas, aura une place offerte pour aller au web à Londres au mois de juin. Ensemble, on a essayé de résoudre ce problème. C'est comment vous faites pour prendre la parole en direct lorsque vous n'avez pas de micro. Alors voilà, l'application là, c'est je cherche un voyage. Je cherche à partir en Catalogne, en Bretagne, en Corse. Je cherche un thème parce que oui, je suis un passionné. Je choisis la spiritualité parce que ma paroisse me l'a demandé. Merci Olivier. Bah, écoute, ça va le faire. Plaisir, ça va le faire. Tendu quand même. Beaucoup de sites de rencontres qui existent déjà et qui portent beaucoup d'importance sur le physique et en particulier sur la tête. Or, nos jeunes demoiselles, elles n'aiment pas qu'on leur les préjugés sur le physique, ils n'aiment pas trop ça. Du coup, nous on a un concept qui est innovateur. C'est un site de rencontre qui est basé sur la découverte étape par étape des pieds jusqu'à la tête. Merci. Maintenant, on va se retirer pour aller délibérer. En numéro 2, on a choisi le projet Cost Saver pour un certain nombre de choses, déjà parce qu'il n'est pas purement web. On a choisi Smart Talk. Ouais. On est trop ça fait chaud au cœur. Clairement, on le méritait, on le méritait, voilà, c'est... Ça fait chaud au cœur. Non, c'est cool. C'est encourageant. Pas trop déçu de pas... Non, super content d'être arrivé troisième. On a tout gagné ce week-end, on a avancé sur un projet qui nous plaît, on a rencontré des gens super. C'est ça le but, on n'a rien perdu. Surpris, étonné, mais en même temps, content, très content. Ouais. Concrètement, ça se passe comment maintenant pour vous? Il faut qu'on en parle avec notre chef. Et avec les mentors. Impression à chaud, je suis crevée, je suis contente pour le projet et pour l'équipe aussi parce que j'ai vu l'équipe qu'il fallait. Ils sont venus, c'était pas si évident que ça vendredi dernier. Aussi bien mon projet n'aurait pas été sélectionné et aussi bien il y aurait eu d'autres projets qui étaient aussi intéressants. Donc, du coup, voilà, c'est de la chance. Maintenant, on va prendre ça sereinement et puis boire un verre, je pense, au cocktail. Je trouve que pour un premier startup weekend, il y avait beaucoup de monde, des publics assez variés, enfin, c'était assez quali en termes de public. Il n'y avait pas que des applis web, il y avait du physique. On n'aurait pas dit un premier startup weekend, ouais. Bref, j'aurais dit un startup weekend en France. J'ai bien aimé tous les participants qui ont dit on est jeune, on est passionné, on va faire plus vite, plus fort que des autres. Il y avait plusieurs qui ont dit ça. Je trouve que c'est l'attitude qu'il faut partager à tout le monde. C'est vous êtes plus jeune, vous êtes plus vite. Le passion, ça compte dans une start-up. J'étais content de voir autant de gens qui sont reconnaissants.